Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements. Fenêtre sur l'emploi. J'évoquais l'Institut Randstad et nous avons sa directrice déléguée générale de cet institut, Anna de Boa Esperanza. J'espère que je l'ai bien prononcé. Très bien. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez été créé en 2005. Et c'est un laboratoire du groupe Randstad pour un retour durable à l'emploi. Racontez-nous, l'idée c'est quoi? C'est de mettre en relation un gros groupe, Randstad, avec des structures d'insertion. C'est quoi l'idée? Alors, l'Institut est un laboratoire de réflexion et l'innovation sociale. C'est une structure indépendante, c'est une association à but non lucratif qui est adossée au groupe Randstad France. L'objectif, c'est de s'appuyer sur l'expertise du groupe, sur la connaissance des bassins d'emploi, pour accompagner des personnes qui sont en difficulté d'emploi, pour favoriser la réinsertion et l'inclusion par l'emploi. Une main tendue vers l'emploi, Randstad, c'était son métier, son cœur de métier, c'est le recrutement, évidemment, agence d'intérim. J'ai envie de dire, c'est assez logique qu'elle travaille pour l'insertion. Non, vous me dites non, pas forcément, parce que là, on est sur des publics qui sont très éloignés de l'emploi. Tout à fait. D'accord. Ce sont des publics qui ne viennent pas dans nos agences et que nos consultants n'ont pas non plus l'occasion de rencontrer dans leur activité quotidienne. L'objectif, c'est vraiment de travailler avec les associations partenaires de l'Institut, de co-construire des parcours d'insertion professionnelle. En vue de les faire aller dans vos agences. Tout à fait. C'est par étapes. Ouais, on va les préparer d'abord, on va les accompagner, on va les aider à construire un projet professionnel. On va aussi donner des informations aux associations sur les besoins des bassins d'emploi, puisqu'on a cette connaissance à l'instant T. Et aussi être dans une dynamique de prospective aussi, quels vont être les besoins et comment faire en sorte que ces personnes puissent accéder à ces emplois. 9 associations avec lesquelles vous travaillez dans la main. Donc ce n'est pas uniquement de verser des fonds, c'est un vrai travail que vous menez avec autour de la table ces associations, vous, vos équipes. Ça se passe comment très concrètement? Vous êtes autour de la table, vous discutez, vous ciblez des profils, vous avez des listes. Comment les noms vous arrivent tout simplement? C'est un travail que nous faisons tout au long de l'année avec les associations. Il s'agit, je vous l'ai dit, de construire des parcours. Tout le travail va faire avec les associations qui connaissent les publics qu'elles accompagnent, les personnes qu'elles accompagnent, qui sont dans cette relation de proximité. Les associations vont nous aider avec l'accompagnement social, à lever tous les freins périphériques à l'emploi. Et nous allons construire avec ces personnes des parcours en sollicitant nos collaborateurs qui vont les parrainer, qui vont les coacher, qui vont organiser avec elles des ateliers, des entretiens de recrutement, réaliser un CV qui soit attractif, etc. Il y a un vrai travail entre les cadres de Randstad, ceux qui sont opérationnels, et ces personnes que vous allez insérer. Il y a du tutorat, il y a des conseils. Tout à fait. Pour vous donner un exemple, nous avons une association avec laquelle nous travaillons. Nous avons actuellement 38 collaborateurs qui sont para et marraine. Nous avons 6 membres du COMEX qui sont des coachs pour ces personnes, pour pouvoir les accompagner. Et ces personnes peuvent interpeller les membres du COMEX en disant « Bonjour, j'ai un souci ». Comment ça se passe? Parce que c'est pas simple pour la personne qui se dit « Attendez, j'ai un membre du COMEX, je ne vais peut-être pas le déranger comme ça tous les quarts d'heure ». Les candidats ont été repérés par les associations, par rapport, pas en fonction de leur diplôme ou de leur parcours professionnel, expérience, etc., par rapport à leur motivation et par rapport au projet professionnel qui est plus ou moins abouti. Donc on pense qu'on peut faire cette passerelle vers l'emploi. Je ne voulais pas demander, ce sont des jeunes, ce sont des personnes de plus de 45 ans, parce qu'il y a aussi un débat sur l'accès à l'emploi. Il y a des gens qui sont sortis de l'emploi à 45 ans, qui sont sur la brèche. Il y a aussi des jeunes sans diplôme. Nous avons des jeunes décrocheurs, nous avons des personnes qui sont restées éloignées du marché de l'emploi pendant très longtemps, des chômeurs de longue durée, des personnes en situation de précarité, des anciens SDF, mais nous avons aussi des gens cassés, qui ont subi des accidents de la vie. Nous avons aussi des seniors, des personnes en reconversion professionnelle. C'est assez diversifié les profils des personnes que nous accompagnons. Pour répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure, comment ça se passe pour contacter un membre du COMEX, c'est une relation directe. Le candidat envoie un mail à son parent, à son tuteur, etc. Les rendez-vous sont programmés, ça peut être en visio, ça peut être en présentiel. C'est vraiment un travail de collaboration en proximité avec les candidats et les associations, bien entendu. Ça vous évoque quoi, cette initiative? Je trouve que c'est effectivement une belle initiative. C'est important d'aider les personnes les plus éloignées de l'emploi à revenir
à revenir dans l'emploi. Nous, on a un partenariat avec Simplon, hein, qui est une structure à Montreuil. On est voisins. Voilà, on est installé, nous, on est installé sur Montreuil, donc on est voisins de cette structure. On travaille avec eux. C'est une grande, enfin une école du numérique. Hein, tout qui à fait. Prend aussi des. Ils sont venus sur ce plateau d'ailleurs, je crois. Qui accompagne, qui forme des salariés très éloignés de l'emploi pour les former au numérique. On a ce partenariat avec eux, avec l'idée d'intégrer ces salariés dans nos organismes, en tout cas de leur ouvrir les portes et de leur permettre de candidater à la sécurité sociale. Anna de Bois Esperanza, justement pour faire la passerelle, vous l'objectif, quand ces hommes, femmes, vous les avez, je dirais, remis sur pied, redonner confiance, j'imagine, à partir de quoi ? D'un parcours de formation, ça dure combien de temps ? Un parcours de formation, des ateliers, c'est selon les profils, selon les associations avec lesquelles nous travaillons. Il y a des associations qui sont un peu plus professionnalisées, qui arrivent aussi à faire ce travail d'accompagnement, de préparation. Il y a d'autres qui ne le sont pas. C'est très variable selon les associations et les profils des personnes accompagnées. Au bout de combien de temps, même si vous me dites que c'est variable, quelqu'un arrive enfin dans une agence Randstad en mesure de pouvoir répondre à une offre d'emploi ? Le dernier groupe avec lequel nous avons travaillé pour les préparer, ce sont des parcours de 6 semaines à 2 mois avec des ateliers réguliers toutes les 2 semaines pour pouvoir les envoyer ensuite vers les consultants en agence qui vont faire la passerelle avec les clients pour mettre le pied à l'étrier. L'objectif, c'est vraiment de démontrer que c'est possible. Les deux mondes peuvent se rencontrer et on peut réussir à insérer des personnes dans l'emploi. Vous les suivez après, ces personnes tout que vous avez. Vous avez un tableau de bord de chiffres, combien de personnes par an sont suivies chez vous ? Non, bien sûr. Si vous voulez, les personnes, nous savons de quelles associations elles viennent, mais les consultants en agence et les entreprises ne le savent pas. Ce sont des profils qui sont inscrits comme tout autre candidat qui va... Mais accéder. Vous, l'Institut, le savez. Vous savez qu'un tel est en train de se présenter à l'agence de je ne sais pas quelle ville. À l'agence de Paris, de Saint-Denis, de Lyon, de Lille, peu importe. Et l'objectif, c'est de savoir combien de temps cette personne a été mise en emploi. Si elle n'est plus en emploi, quelle a été la difficulté rencontrée pour pouvoir lever ses freins, continuer à travailler pour... pérenniser l'emploi et construire des véritables parcours professionnels. Anna, pour le dire simplement, il peut arriver aussi que quelqu'un arrive dans une de vos agences et vous rappelle en disant ça n'a pas marché. Pourtant, il a reçu la formation, il a tout eu, il a tout fait bien, mais ça arrive, ça, j'imagine. Donc, comment vous faites bien sûr, vous le reprenez, vous le récupérez de nouveau ? Exactement. L'idée, c'est vraiment de construire avec le candidat et l'association qu'il connaît. Ça peut marcher, ça, effectivement. Parfois, il y a des échecs. Il peut avoir des échecs, bien sûr. L'intérêt, c'est de comprendre pourquoi il y a l'échec. Est-ce qu'il y a un besoin de formation complémentaire ? Est-ce que la personne a besoin de passer par une étape intermédiaire ? Ça peut être une entreprise d'insertion par l'activité économique avant de revenir dans le parcours d'insertion normale. Ça peut arriver, bien évidemment. Un tout dernier mot, Rénal. C'est intéressant quand même ce parcours de personnes cassées. Là, c'est le privé, c'est le public. C'est intéressant que vous soyez là tous les deux sur le plateau parce que c'est un groupe privé, Randstad. Tout à fait. Puis vous êtes évidemment une structure publique et vous avez la même démarche. Donc s'il n'y avait pas ces garde-fous, il y aurait quand même beaucoup de gens sur le bord du chemin quand même. Oui, absolument. Et pour nous, en tant que recruteur, en tant qu'employeur, c'est un vrai point d'attention. C'est-à-dire on recrute bien sûr des salariés à Bac plus 4, Bac plus 5. Mais aussi... Mais on a aussi une partie des salariés que nous recrutons, d'où notre partenariat avec Simplon, qui ont le bac, le niveau bac, ou peut-être même pas. Ouais, pas de diplôme. De diplôme. Là, on a beaucoup de candidats qui sont à niveau infra-bac, notamment les jeunes décrocheurs, ceux qui viennent de l'école La Deuxième Chance, par exemple, de Saint-Denis, et d'autres associations partenaires. L'idée, c'est vraiment de se dire que la précarité n'empêche pas le talent, la motivation. Mais évidemment. Évidemment. La façon d'avoir envie, exactement. Sans diplôme, l'envie de se battre, l'envie d'avancer, évidemment, n'est pas toujours lié au diplôme. Parfois, la préparation, c'est juste les soft skills, les savoir-être. Exactement. Comment parler, comment s'habiller, comment se présenter. Le matin, et se lever. Pour prévenir, pour ne pas venir à un rendez-vous. C'est pas bête. Se lever le matin. Tiens. Oui, ça peut être utile d'être à l'heure. Anna de Bois Esperanza, déléguée générale de l'Institut Randstad, très engagée, on vient de l'entendre, sur ces questions. Merci à Rénal Lemay, l'UNCAS, qui est engagée, on vient de le voir, puisque ce n'était pas le sujet de notre interview, mais qui est aussi engagée sur ces questions sociales. Merci à vous. Merci à notre réalisatrice Lauriane Bouet. Merci au son à Camille Moulis. Merci à Fanny Griesmer, bien sûr. Merci à vous qui regardez cette émission. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures à la rencontre de nouveaux invités. C'était un vrai plaisir. Et puis je serai là, bien entendu, en direct. À demain. Merci de nous avoir reçus. Merci.